poursuit avec de la musique, avec un groupe marnais originaire de Damery. Ils seront en concert ce soir, 20h30, à la Cartonnerie, en première partie de Gaëtan Roussel. Rencontre avec le groupe Candy. Le tout premier clip de Candy, tourné au centre des congrès et dans les rues de Reims. Bébé, voilà une éternité que l'on ne sait pas parler, toucher, ni même regarder. Je voulais savoir, est-ce que vous avez demandé à Jean-Louis Aubert l'autorisation d'utiliser sa voix? C'est ton père, non? Ouais, je crois que c'est mon père, en fait. J'ai jamais dit. C'est vrai que c'est marrant, parce que c'est une remarque, à chaque interview, on me le dit. On va dire que je pense que c'est le fruit du hasard. Si j'avais chanté en anglais, on m'aurait peut-être rapproché à un autre chanteur, mais ça me dérange pas, quoi. Ça fait partie de nos influences, au même titre que les Rolling Stones, les Who, Led Zeppelin. Ça marche plutôt bien pour Candy grâce à Internet et un site belge, AK Music. Ils ont pu produire à Paris, dans des conditions professionnelles, un album, Ce Petit Monde. Alors ça y est, c'est décidé, ton jour de gloire est annoncé. Tu disais pouvoir voler plus haut, plus haut. On fait ce qui nous passe par la tête à un moment donné. Ça peut être des événements de la vie courante, des choses bien, des choses pas bien. Et ça fait émerger des compositions et écrire des chansons. Mais c'est pas du tout quelque chose de calculé. Ça vient comme ça, quoi. C'est un peu comme le temps. Il neige ou il neige pas, quoi. L'album de Candy sortira en février, en digital et en CD, avec une distribution assurée par Universal. Ce soir, il monte sur la scène de la Cartonnerie à 20h30, avant Gaëtan Roussel.